une scène de Berkman Island qui vous reste en tête. Oui, plein de scènes. Notamment la scène où j'ai dû sauter dans l'eau pour aller nager et j'ai dû faire ça parce que Tim ne voulait pas. Normalement, c'était prévu que Tony il va nager et Tim arrive et il dit pas question que je vais là-dedans, c'est trop froid. Et donc j'ai dû y aller. Je trouvais ça très beau parce que c'était vraiment une belle image un peu aussi pour le couple, un peu. Donc, parce qu'en allemand, on dit « ins kalte Wasser springen », c'est sauter dans l'eau froide. Ça veut dire si on a le courage de confronter une chose dont on a peur. Et Tony est quand même quelqu'un qui a plutôt peur des choses, qui, bon, il fait des films de genre, il essaie un peu de contrôler les choses. Et quand elle ne vient pas avec lui, par exemple, sur le Berkman Safari, il a peur. Et elle, par contre, elle saute dans la question et le questionnement de soi et qui je suis, quel est mon film. Donc je crois qu'elle aussi, Chris, saute dans le froid et j'ai beaucoup aimé cette parallèle entre les personnages et nous.